Salut, je suis Maître Franco. Paraît-il qu'il y a un véritable problème entre le général Makoso et Abudu International. Ah, c'est vrai. Aujourd'hui, nous allons entrer en profondeur de leur situation. Alors, écoutez attentivement. Ok. Abudu, tu as la parole. J'aimerais ici m'adresser à Camille Makoso parce que désormais nous sommes collègues. D'accord. Et toi, Makoso? J'aimerais m'adresser directement à Stéphane, appelé Apuchou. Et ça va péter. Je vous regarde, c'est mal. Ça va chauffer maintenant. Ah? Ah oui. Ok, ça marche. Je commence par Apuchou. Tu n'es pas pasteur. Quoi? Tu n'es pas pasteur. Qui? Le pasteur le plus influent de sa génération, le plus connu. Non, ne riez pas encore, écoutons un peu. Désormais, tu es un blogueur et tu es un influenceur. C'est vrai. Moi, je suis Camille Makoso, général de Dieu. Je vais te remettre à ta place de la même manière que tu es en train de faire. Justement, c'est ça qu'on attend, mon frère. J'aimerais te dire que la marmaille dans laquelle tu es dedans, là, tu ne pourras jamais m'avoir. Pourquoi? Pourquoi? Parce que tu ne peux pas voir plus loin que le bout de ton nez. C'est impossible. Quoi? Tu ne peux pas voir plus loin que le bout de ton nez. C'est impossible. Ça là, c'est jalousie. Waouh, Makoso, calme-toi et tu écoutes d'abord. J'aimerais te dire, c'est Dieu qui est en train de te dévoiler. Aujourd'hui, c'est Dieu qui est en train de te mettre à découvert. Et je suis tellement content. D'accord, patiente un peu. Makoso, reprends. Regarde mon doigt dans les yeux. Toi et moi, nous nous sommes côtoyés. Tu sais et que je sais que jamais je n'ai tenu des propos à ton encontre comme tu l'as fait vis-à-vis de moi. Tu mens. Allah. Franchement, c'est pitiable. C'est de la gâchis. Non, ne le condamnez pas encore. Écoute un peu la version de Abudu. Ok. Abudu, c'est vrai ce que Makoso dit là. Jamais. On va lui juger. Laissez-le répondre. Tu as dit dans l'un de tes directs que j'étais un enfant maudit. Mon frère. Cet enfant maudit là, c'est celui qui est en face de toi aujourd'hui. C'est le diable qui manifeste. Tu as dit dans l'un de tes directs que tout ce que je vais faire sur cette terre ne va pas marcher. Comme quoi par exemple? Que j'ai crié à Pi, ça ne marche pas. Que j'ai fait chanson, ça ne va pas atteindre 300 000 abonnés. Non, c'est déçoignant, je suis déçu. Merde, c'est très grave ça. Tu as dit encore dans l'un de tes directs que moi je ne pourrai jamais aboutir à quoi que ce soit. Allah. Ce n'est même pas possible. C'est impossible. C'est de la gâchis. Ce que tu es en train de faire. C'est ce traître. Azou méritait Pandazon. Continue, Abudu. Continue. J'aimerais te montrer devant la face du monde entier que moi, le Dieu que moi je prie, qui est le Dieu de Joseph, d'Abraham et de Moïse, ne te donnera jamais raison. Alhamdulillah. Tu as dit à la télévision que toi, tu ne viens pas aux Oscars des blogueurs et influenceurs parce que tu n'es pas blogueur, parce que tu n'es pas influenceur. C'est pourquoi tu n'es pas venu à mon Oscar. Là, il a. Dites-moi pas que c'est pas vrai. Waouh, s'il a vraiment dit ça, c'est que c'est très grave. Mais aujourd'hui, tu acceptes le titre de blogueur. Tu acceptes le titre d'influenceur. Et jusqu'à tu as une carte de membre de blogueur et influenceur. Quelle humiliation. Quelle humiliation. Makoso, tu as quelque chose à dire à propos? Mais tu sais, je vais te dire une chose. Vas-y, général. Au stade où nous sommes arrivés, regarde mon doigt dans les yeux. What? Et je te regarde droit dans les yeux. C'est comme ça donc que le massacre commence. La question que j'aimerais te poser au-delà de tout ce qui est marmaille, est-ce que dans ton cœur tu te sens bien? Point d'interrogation. Abudu, réponds à la question si avant qu'on avance. Camille Makoso, j'aimerais te dire, regarde-moi bien dans les yeux. Je te regarde droit dans les yeux. Depuis que vous me regardez là. L'homme à qui tu peux faire du mal ou voler son idée, ce n'est pas moi. Tu ne peux rien et tu n'as jamais rien créé. C'est parce que tu n'as jamais rien créé qu'il a fallu que je frotte ton orgueil pour que tu sois aujourd'hui ce l'homme que tu as assis en transe. Je vous ai mis au travail. Ai-je raison? Petit. Ai-je tort? Réponds toi-même. Aujourd'hui, je n'ai pas raison. Ah bon, hein? Je donne la raison à toi, Stéphane. Pourquoi? Et si un jour, moi, Camille Makoso, dans l'un de mes propos, j'ai eu à te blesser ou tu t'es senti fusé dans ton âme, je viens, moi, au travers de toutes ces pages. Dès que je n'ai pas raison, je t'accorde toute la raison. C'est souillant, hein? Et je demande pardon. Quoi? Et je demande pardon. Là, il a. Dites-moi pas que c'est pas vrai. Oui. Ok, Abudu, tu acceptes son pardon? Je vous ai mis au travail. C'est ça qu'on appelle leader.
leader là, c'est celui qui vous a mis au travail là. Je vous ai mis au travail et je vous ai dévoilé devant la face du monde entier. Il y a même quoi? Ils vont lire. J'ai dit, tous ceux qui vont parler de gauche à droite, je n'écouterai personne. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'on m'a trop manqué du respect. Ah bon, hein? C'est vrai. On m'a trop insulté. Hey, laisse les gens. On m'a trop dénigré. Oh, hey. On m'a trop rabaissé. Bon, ça va. On a compris, non? Kubonku, tu acceptes ses excuses ou tu n'acceptes pas? Je ne suis plus là pour accepter quoi que ce soit. Ok, d'accord. Tu acceptes quand même que le général du Cameroun prie pour vous? Les révérends prient pour moi. Les généraux prient pour moi. Les généraux. Bon, ça va. Et toi, Makoso, tu acceptes que le général du Cameroun prie pour vous? Oui. Ok, général Dieunodor, prie pour eux. Que Dieu punisse le diable et sa grand-mère. Hé, hey, général, avec ce genre de propos-là, mes fans, ils seraient détestés, hein. Si tu veux, tu ne m'aimes pas d'ailleurs. Est-ce que j'étais... Moi-même, j'étais... C'est pas un homme de Dieu. C'est un gousseur. Ha, c'est vrai ça, pasteur. Vous êtes des païens. Chégué. Makoso, tu entends ça? Le pasteur le plus influent de sa génération, le plus connu. Tu es l'homme le plus minable ici en Côte d'Ivoire. Donc, il n'est pas un homme de Dieu alors? Je suis un homme de Dieu. Bon, ça va, je vais appeler notre pasteur qui est plus puissant que vous tous. Ok. Pasteur. Oui. S'il te plaît, prie pour eux. Dominus vobiscus. S'imprintant sur le bolambalande de Myria. Amen. Makoso, comment tu as trouvé la prière? Non, c'était du loup. Et tu dis donc quoi pour clôturer aux fans? 500 premières personnes qui partagent la vidéo, c'est eux qui reçoivent la bénédiction. Paul, ferme-moi. On a fait son fermement. C'est tous. Inscrivez-vous rapidement pour la formation en ligne qui va se débuter le 23 et le 24 novembre. Ouais, ça c'est très bien. Inscrivez-vous au mars. Félicitations déjà à ceux qui sont inscrits. À bientôt, date limite de 15 novembre. Les gars, ne ratez pas l'occasion. Ok. Bye bye. Mal. Pour ceux qui sont des jaloux, continuez à nous jaloux. Continuez à nous faire du jaloux. Et les jaloux vont maigrir. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.